On va s'éclater, pas croyable. Place aux amis, tout pour le fun. Profitons-en tant qu'on est jeune. C'est décoiffant et bourrifant. C'est le monde des adolescents. C'est décoiffant et bourrifant. Musique, magie et fringues, ça nous rend folle. Bienvenue dans mon Détros. On reste au cool et ça roule. Sauvons le monde de ses ennemis. Jamais lâcher, jamais renoncer. Un monstre au tapis et c'est parti. Yeah! C'est décoiffant et bourrifant. C'est le monde des adolescents. C'est décoiffant et bourrifant. Musique, magie et fringues, ça nous rend folle. Bienvenue dans mon Détros. C'est, et je pèse mes mots, Méli Mélo tragique. Les filles ont quand il faut tous les pouvoirs magiques. Vous m'avez délivré, je suis tout à vous. Trop chou. Être sûrement interdit à l'intérieur du lycée. Bon alors, par quoi on commence? Allez, couchez, et à l'autre bout de la terre. Dehors. Sûrement suite au tremblement de terre d'hier. Sûrement. Mince, des farfadets. Doit y avoir un tuyau de percée là-dessous. Pause café. Attends-moi. Flippant. Va falloir penser à changer de réveil. Allô? 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 Ah, mauvais numéro. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Est-ce que tu n'aurais pas vu mon bracelet? Non. Oh! On dirait que Wawa te l'a retrouvé, mon chou. Ah, super! Merci, Wawa. Ça me dit toujours pas où est ma veste mauve. Derrière la porte de ton placard, accrochée au porte-manteau. Ah, super! Plus que mon classeur et ce sera tout. Oh, maman, je suis une vraie catastrophe ambulante. Calme-toi, je suis sûre que tout ira très bien. C'est le premier jour d'école dans une nouvelle école. Comment veux-tu que tout aille bien? C'est un premier jour pour tout le monde, Améthyste. Oui, si je me perds, si je ne trouve pas mes salles de cours, je suis fichue. Seule solution dans ces cas-là, tu demandes? Non, tu ne comprends pas. Ruby dit toujours qu'on doit avoir l'air de savoir exactement ce qu'on fait, même si on ne le sait pas. Ça me rappelle que j'ai quelque chose pour toi. C'est le collier porte-bonheur de ta grand-mère. Je suis sûre qu'elle serait contente que tu le portes. Merci, maman.
Ça pourrait peut-être t'aider à surmonter tes problèmes de la rentrée. Oh, c'est génial. Je me sens déjà mieux avec ça. Au revoir. À plus, Wawa. Je te brosserai en revenant. Petite nouvelle. On peut savoir où vous allez comme ça? À l'école? Pas sans billet de retard. J'y crois pas, on vient d'arriver, on a déjà des problèmes. Mais avant, faut me donner les raisons du retard et me dire comment tu peux croire que des chaussures bleues vont avec ta chemisette. Elles ne sont pas bleues-bleues, elles sont bleu-vert. Cinq petites nouvelles d'une idiotie rare auront quand même droit à un billet de retard. Filez à vos salles de cours maintenant. Je suppose que vous savez où elles se trouvent. C'est-à-dire comme... Si, bien sûr qu'on sait. Pour qui tu nous prends? Une bande de nuls? Tu sais où sont nos classes? Bien sûr que non. Mais on n'allait pas leur dire qu'on l'ignorait. Faudrait peut-être demander. Ma mère dit que... Demander, c'est pas cool. Savoir, c'est cool. Tu fais comme si tu savais, t'es cool. Pigé? Pas la moindre idée. Par là. Par où maintenant? Alors, le petit génie? Totalement perdu le jour de la rentrée scolaire. Que quelqu'un vienne pour nous dire que faire. Parfait. On ne savait rien, mais maintenant on n'y voit rien. Hey, voilà quelqu'un. C'est peut-être notre sauveur. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Je ne sais pas, je l'ai jamais vu, mais... je l'ai déjà entendu. Excusez-nous, la fumée ne vous dérange pas? Hey, ça roule ma poule? Mon nom c'est Smurf, contente de te connaître. Oh, trop chou. Ouais, et trop interdit à l'intérieur de l'école. Ah, disparaît, espèce de faux chien, vrai cabot. Oh, je peux plus disparaître, vous m'avez délivré, je vous appartiens. Oui. Bon alors, par quoi on commence? Habituellement, personne d'autre que moi ne règle ce genre de problème. Pousse-toi de là. Allez, coucher, va-t'en avant que je me fâche. Oh Ruby, tu fais peur à ce pauvre petit. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, pourquoi? Quel chien? On n'a jamais eu de chien. T'en passe. Chut, ouf. Vous devriez déjà être en classe. Pas de billet de retard, bien sûr. J'ai le mien. J'ai le mien. J'ai le mien. J'ai le chien. J'ai le mien. Nous sommes super hyper méga désolés. On le refera plus et ma mère vous fera une tarte si vous ne dites rien au principal. Ma chère, je suis le principal. Principal trop l'hyperbole. Et tous ces billets ne sont que des faux. Je vous conseille de me suivre. Faux billets? Ce n'est pas un bon départ pour votre premier jour, hein, mesdemoiselles? J'espère que ce n'est pas un signe de votre... Tenez, ça aidera. Merci. Ça doit être les allergies de saison. Je suis allergique aux boutons d'or et aux bêtes du royaume des ténèbres.
Bon, où en étais-je? Oui, le règlement intérieur stipule que les billets de retard ne sont émis que par les autorités. Désolée, principal Trolliperbole, on croyait que nos billets étaient bons. Ah, encore cette chorale et ses acolytes. Je reconnais qu'on aurait dû demander. Je les aurai au tournant, ces trois-là. Vu que c'est votre première journée, je ne sévirai pas. Mais que je ne vous reprenne pas à enfreindre nos règlements. Filez rejoindre la classe de Monsieur Trollomètre. Nous ne savons pas exactement où c'est. Troisième couloir, salle 12. Tu restes là et tu attends que je sorte. Oh, je ne pourrais pas. Non, assis, couché. Monsieur Trollomètre est trop chou. Je l'avais remarqué. Un peu de silence. Personne ne parle tant que nous n'aurons pas terminé la lecture. Couchez, couchez. Hé, Topaz. Topaz. J'avais fait tomber mon crayon. Qui a parlé? Veuillez vous dénoncer. Ça va comme vous voulez, mademoiselle? Ah, oui, monsieur. Tout va très bien. Et dites-moi, où avez-vous trouvé ce charmant collier? Ça vient de ma grand-mère. C'est mon estomac. Souvent, en première fois. Ouch! Sauvé par le gong. Au moins, le premier jour se sera bien passé pour Flint. Hé, hey, Améthyste, ton amoureux. Ce premier jour s'est bien passé pour tout le monde, sauf pour nous. Pas vraiment tout le monde. Comment il va, mon toutounet? Danger imminent. Cache-le. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bidule? Bidule, je suis pas un bidule. S'il te plaît, un peu de respect. Et j'ai des grands, des très grands projets pour nous. Tu peux te les garder. On se calme, les filles. On va réfléchir à une solution et tout ira bien. Hé, les petites nouvelles. Peut-être pas. On vient de se faire disputer parce que vous avez mouchardé. Excuse-moi, mais c'est pas notre genre. On a même eu droit à une heure de colle à cause de vous, les trolls. C'est là qu'on pleure? Non, plus tard. Position de combat, les filles. Qu'est-ce qu'il y a, Onyx? Ça n'a pas l'air d'aller. Je viens de me souvenir où j'ai déjà entendu ces grognements. Dans les ruines anciennes. C'est Snarf qui grognait dans la forêt? Oui. On se croyait débarrassé de ce monstre et le voilà qui revient. Oh, c'est pas possible. Si, c'est possible. Oui, puisque je suis là. J'étais emprisonnée, piégée dans la forêt depuis des siècles. Et c'est vous qui m'avez délivré! Et maintenant, vous allez aussi m'aider à délivrer mon maître! Maître! Je vous en supplie, je serai votre ami pour la vie! Franchement, on ne peut pas! Vous n'en aurez que pour 2 secondes, c'est d'accord? Désolée, on doit aller à notre cours de maths! Oui, désolée, faut qu'on y aille! Non! Je veux retrouver mon maître! Je veux retrouver mon maître!
Snarf, apporte. Oh, vous n'auriez pas l'intention de me laisser par hasard? Non, pas-tu? Pour me le prouver, vous allez aider mon maître à retrouver la liberté. Faux! Que ton maître soit ce qu'il veut, on s'en contrefiche. On a affaire, alors tu te sauves, tu disparais, tu t'évapores, c'est compris? Oh, regarde ce que t'as fait, Ruby. Je suppose que si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes contre moi! C'est quoi ce... C'est Snarf. Au secours! Attention à vous! C'est vous! Dégagez le passage! C'est l'horreur! Qui arrive quand vous faites de la magie sans comprendre. Et si on promet de ne plus recommencer? Trop tard. Pfiou, il se lave les dents au pétrole. C'est quoi ce... Quoi encore? Obsidiane, comment elle a fait pour entrer? C'est important de le savoir. Obsidiane, qu'est-ce qu'il faut faire? Améthyste, serre-toi de ton collier. C'est le seul espoir. Hé, les trolls, un petit coup de main. Magie des cinq. Ce que cinq amis ne pourraient faire séparément, nous le ferons en se regroupant parce que nous avons grandi en même temps avec l'aide de sortilèges encore ignorés et la magie qui repose au cœur de cette pierre sacrée. Et où avez-vous trouvé ce truc-là? Vous ne deviez pas l'avoir normalement. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ça peut blesser quelqu'un. Vous jouez avec le... Au revoir, mon toutounet.
Obsidiane ! Merci, vous êtes arrivé juste à temps. Il vous suffisait juste de demander. Comment avez-vous su, Obsidiane ? Monsieur Trollemaître m'a averti. Vous vous connaissez tous les deux ? Oh, depuis de nombreuses années. Pas si mal. Vous apprenez vite, les filles. Pas si mal. Vous avez vu comme le gros méchant a fait boum ? On est une équipe d'enfer. Il s'est réfugié ailleurs, qui sait ? C'est difficile de se débarrasser de créatures de cette sorte. Qui c'est le maître qu'il voulait délivrer ? Ne nous préoccupons pas de lui pour l'instant. Oui, il me semble plus urgent de trouver quelles explications nous donnerons à Monsieur Trollhyperbole. Oh. Allez. Comment s'est passée la journée ? Je me le demande, nouveau pouvoir, nouvelle école, la vie est beaucoup plus compliquée qu'avant et quelque chose me dit que ça ne fait que commencer. Au fait, et le collier de ta grand-mère, est-ce qu'il t'a vraiment été utile ? Je m'attendais à cette question. Test du sort pour faire passer quelque chose que les enfants n'aiment pas. Et que leur mère les force à manger. Les sauterelles grillées, c'est un mets très apprécié. Que tu n'aimes pas ou que tu aimes, avale ta sauterelle quand même. J'ai pas faim. Quel ogre! Yeah!